toujours la même question. Pourquoi ai-je attaqué les États-Unis? Les États-Unis n'ont cessé d'entretenir la guerre dans le monde entier depuis plus de 100 ans. Les résultats catastrophiques de cette politique belliqueuse et militariste. Ces guerres n'ont donné ni résolution, ni paix. Ces guerres n'ont fait que mener à d'autres guerres. Les États-Unis menaient la danse parce que c'était eux la plus grande puissance, mais plus maintenant. Ce n'est pas le commencement d'une guerre, c'est la fin de toutes les guerres. Après San Francisco, le monde libre tout entier s'est retourné contre Atlas. Iron s'est retranché dans son QG de la Nouvelle-Bagdad. Toutes les communications ont cessé. Les deux camps savaient à quoi s'attendre. Notre mission était d'accompagner la 37e aéroportée lors de la campagne choc initiale. On devait ensuite se séparer et infiltrer le centre de commandement d'Atlas pour éliminer Irons. Pour Cormac, c'était la fin d'un long voyage. Il attendait ce jour depuis 5 ans. Changement de dernière minute. Vous passerez par l'Est et le Nord pour couvrir l'équipe bleue, pendant qu'elle se déploie sur la cible. Compris. On emploie la méthode douce. Il n'y a pas de méthode douce ou forte. J'évite juste de jouer tous mes atouts d'un coup. Nous n'aurons qu'une seule chance d'éliminer cet enfoiré. C'est tout ce qu'il faut. Je sais. Restez en vie. Vous serez notre témoin clé quand on le jugera à la haie. J'ai vraiment hâte d'y être. Bonne chance, messieurs. Il n'y avait rien d'autre à dire. On savait tous ce qu'il fallait faire. C'était le début de la fin. Pour l'un de nous. Le monsieur, il y a des trous dans le casque. Il utilise des casques usagés. Comment ça se passe? Aussi peu de moyens que ça? Bref, plop à tous les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13. On approche de l'ACP Romeo Victor 0 à 5000 pieds. Bien reçu. C'est une chose sérieuse, on attaque Atlas. Unité sentinelle aérienne, regroupez-vous. Attaquez tout ce qui ne porte pas une balise sentinelle. Oh 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 oh. Faut verser les commandes, mais oui. 3 ennemis devant, à 12h, basse altitude. On va passer à l'action. Oh oh oh, merde. Ok, je gère pas du tout. Je ne gère pas du tout, du tout. Cible éliminée. Attention aux débris. D'autres ennemis arrivent au-dessus de la corniche. Donc, clairement, c'est galère. Hein. Le prise en main est pas du tout terrible, très terrible de ce monsieur. J'ai tout compris, je parie. Non, la prise en main est pas top, hein. Clairement, c'est lourd. L'initié, je sais pas pourquoi j'utilise pas. Une voiture, quoi, dès qu'on tourne, ça vire à plat en fait, ça tourne pas. Et moi, quand je joue à un jeu, l'avion, bah, de base. Oh, pourquoi t'accélères, mec? Pourquoi t'accélères? Attention aux débris. Ça pue du cul quand même, hein. On approche du barrage hydroélectrique. Verrouille les points cibles et tire dessus avec tes missiles. Écartez-vous. Touché. Attention aux débris. C'est bien, c'est avec les mecs à la base, c'est du simple soldat, hein, qui se sont engagés il y a 3 mois. Attends, il y a 5 ans, c'est l'histoire tout ça, le mec passe déjà pilote de avion de chasse, de drone. Ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent et eux ils arrivent au bout de 5 ans. Hop là, non, nickel. On traverse la CP5. À 12h, 4 ennemis qui essaient de nous provoquer. Cible abattue. Ils reviennent par derrière. À 6h en hauteur. Cible éliminée. Approchez-vous et utilisez vos canons. T'es un pote. Non, t'es pas un pote toi. Oh. Cible abattue. On approche du barrage hydroélectrique. Il est à moi. Beau boulot. J'en ai eu un. Putain. Bien, bravo. Je viens t'aider. On a eu un. Ah, tu m'as... Ici Sentinelle 01. Coupé la chic, mec. Dernière ligne droite avant d'arriver à la nouvelle bataille. Eh, mec. Bien reçu, 01. Le périmètre de défense aérienne ennemie est à 1,5 km. Démarrage de la séquence de largage. Pilotage automatique activé.
Capsule déployée. Cible à 1200 mètres. Réduction d'intensité. C'est qui ça? On passe en mode de détection minimale. Bien reçu, 01. Votre équipe n'est plus sur le radar. Tu le dis? On approche à 12400 pieds. Bon, après cette phase de shoot un peu chelou, j'avoue. Un peu brouillon. Confus. Notre cible est le centre de commandement d'Atlas, où Iron s'est retranché pour diriger l'effort de guerre. Des tourelles ont été placées en ville pour servir de défense anti-aérienne. On doit les détruire pour atteindre le centre de commandement. Okay. Distance de la cible, 200 mètres. Coupez la TH et préparez-vous à atterrir. Soyons fous. On est deux, c'est gardé à mort. Bon. Deux pour attaquer une base, je pense que c'est amplement suffisant. Ça va secouer. L'atterrissage va être mouvementé. Inversion des propulseurs. Ok, d'accord, ouais, comme ça. Je vais dire une bêtise, mais... quand même, petite impression que là où on atterrit, c'est vraiment là où on est parti quand on a pris le bateau et qu'on s'est sauvé avec la fille. On essaie d'accéder au quartier financier. Genre en mode, on se casse pas trop tête à faire 25 maps, on en fait une et puis on la détruit un peu, ça refait le... On va prendre de la hauteur pour voir si on peut passer derrière la ligne ennemie. Au moins 3 blindés. Alors, c'est quoi ça, un Lynx? Ça va faire le morse, hein, clairement. C'est ça. Ah, ça je le garde, parce qu'il n'y a pas de munitions, donc c'est toujours utile. Je vais prendre ça. Voilà, 14, Amélie. Voilà le bâtiment cible, 3 devant. Davis, on s'approche du bâtiment cible. Il y a le lynx un peu de. Je vous envoie deux autres escouades. Jugez, ici Sentinelle 2, un leader. Pardon, deux ghosts. De notre route pour aider la 95e à percer la ligne ennemie. Bien reçu, restez en position et faites-moi un rapport. Allez, allez, on fonce au bâtiment cible. Pourquoi le sniper est bon? Non, une balle, un mort. Il faut qu'on neutralise cette tourelle. Tu quoi? Davis, on est en position au bâtiment cible. On va éliminer les tourelles. Allez! Ah, mais t'es sérieux, mec? Attends, j'ai appuyé trois fois avant qu'il tape le mec. Forcément, t'as même mettre une stego, soit il arrive derrière, boum, il me shoot. Yeah, petit bug. T'es mort, non? Liquide-les. Oh, génial ça. Bon c'était cool ça, le coup de pouvoir monter dans les... techniques. On va assurer votre couverture. Deux, un. On se fait attirer par ici. Je vais nous débarrasser de ces tourelles. La cible est à l'ouest. Boum, la collate. Shot. Neutralise ces tourelles. Bah il faut écoute mon grand. Pas content tu vas toi-même hein. Ça passe vite. On fait comment? On voit des grenades? Ça se passe. Ah ouais, t'es comme ça toi. Allez mec. Salut. Je vois la tourelle. Elle est dans le bâtiment. Je vais tirer dessus, je vois strictement pas d'où. Prends des balles, je sais pas d'où ça vient. Tiens-toi. Boum. Hop, ça c'est bon. Oh ta gueule. Bon j'y vais. Non merde, c'est là.
leur position et nous ont coincés. Demandons assistance immédiate. Ouvre boîte. Des capsules. Secoue. Ça, la pipe reste en bas. C'est bon, on les a tous détruites là. Non ? Ah, regroupement, merde. D'accord, je me suis fait chamonter jusqu'à haut pour rien quoi. Fais. Et qui toi ? 5 sur 5, Poseidon. La cible est à l'ouest du bâtiment Al-Sadi Financial. Plusieurs AST et au moins 3 blindés. AST ! Continue ! Méca lourd sur le radar. Occupez-vous d'eux. Ah ça c'était violent ça. Like, je plus sois. Hop, en haut. Continuez d'avancer vers le centre des opérations. Bien reçu, Adelassa. Non, non, grenade. Méca lourd sur le radar. Il y a eu, toi. Je parle de mon chute pourri. Bon mec, tu vas prendre ta balle, oui. Je pense que j'ai une connerie, c'est que tout à l'heure il y avait des mines et je les ai pas prises. Liquide-les ! Voilà. Hop, coucou. C'est gore quand même. Hein. Les mines, je les ai eu les mines. Méca lourd sur le radar. Là. Occupez-vous d'eux. Je vous écoute, Nemesis. Regarde, fais-toi plaisir. Oui, c'est bon ça. Bien reçu, on peut y aller. Allez, roule. Qu'est-ce que tu fais mec? T'es retenu pour un caillou, sérieux? Les amis en fuite! Le centre des opérations est tendu! Ah, je t'avais là. Hop, on monte un peu au top. J'ai l'impression pour un sniper. Dans le dos. Le fier dans le dos, je vois plus d'où ça vient. Bah, pourquoi pas. Je déménage en bas, j'en profite d'être en haut. Hop, boum, la triple. Voilà. Merde, c'est Yoda. Faire hein, clairement je pense qu'il faut être de dos et assez loin quand même. Voilà. Et si tu pars pour que tu m'oublies hein. Là poum. Mitchell, va avec Nox récupérer les stingers pendant qu'on vous couvre. C'est parti. Je veux faire enculer, je suis bien moi. Récupère ce stinger. Ah mais il va nous mettre moins bien d'un coup. C'est une petite mission là. Oui, oui, c'est bon, calme ta joie. You, Stinger la con. Y aurait moyen de les foutre encore plus près des machins. Je suis sûr de me faire choper en ce moment là, tu vois. Mitchell, je te couvre. Récupère ce Stinger. Ça pue, c'est quoi ça? Ouais, c'est merde, la bombe, on voit des Pokéballs. C'est pas un peu un gaz ça, par hasard? Putain, il l'a fait! Il l'a vraiment fait! Qu'est-ce que c'est que ça?
Nox va mal. J'ai besoin d'une évacuation médicale immédiate. Non. C'est Manticore. Il faut se replier. Faites évacuer la ville. On n'est pas touché, nous. Pourquoi ça nous fait rien? Iron s'est voilà. conçu pour que ses troupes soient immunisées. On a dû être vaccinés, tous les trois. Contre-attaquez! Ça rien, mec, il est mort. Le boîte est pour rien, quoi. Clairement. Citoyens de la nouvelle Bagdad, soyez forts. La victoire est à notre portée. Regardez autour de vous, et vous verrez nos ennemis tomber les uns après les autres. Chacun de vous peut être un agent du changement. Oui, nous subirons des pertes. Nous avons. Oh, mais Galo, ça va, ils tiennent quand même. Mais n'ayez crainte, nous gagnerons. Ton flingue là, boum, headshot. La sécurité que vous désirez, la sécurité que vous méritez, est à notre portée. Mais. T'as un flingue. La ceinture, t'en as deux, non? Non, c'est les chargeurs, en fait. Bon, nous amène-nous. Genre, fin de la mission? Putain, mais c'est de plus en plus court, hein, c'est ouf. Hein. Bon, bah écoutez, si c'est déjà terminé, tant pis, hein, on se laisse là, tant pis, c'est pas grave, hein. Ok, pas de soucis, pas de problème. Ok. Bon, bah du coup, on se laisse là-dessus, alors tant pis. Nos collègues sont morts, nous on n'a pas pris de points, donc c'est super. On a pas eu de points d'amélioration, bon bah cool, tant mieux, ma foi. Nos collègues sont morts, on nous emmène je sais pas où, on va sûrement nous torturer, nous faire des choses pas très catholiques, surtout à la fille. Enfin bref, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, du coup, je vous dis, sur ce, portez-vous bien, faites pas trop de foyers à votre corps, et puis on